Le mercredi 22 mars 2017, la municipalité de Oisiers a organisé la cérémonie de la citoyenneté en présence d'élus et de jeunes gens qui vont voter prochainement pour la première fois. Jacques Michon, maire de Oisiers, nous explique en quoi consiste cette cérémonie. En 2009, l'Assemblée nationale a décidé, a donné l'autorisation plus exactement, que nous puissions remettre main à la main les cartes d'électeur aux jeunes de 18 ans inscrits d'une manière, on peut le dire, un peu autoritaire, sur les listes électorales. Nous avons donc saisi immédiatement l'occasion pour pouvoir faire cette cérémonie et parler en direct avec les jeunes. Alors cette cérémonie, elle rappelle tout simplement aux jeunes de 18 ans qui viennent d'avoir leur majorité, en gros, quels sont leurs droits et leurs devoirs dans la société et leur remettre donc officiellement cette carte d'électeur et en même temps un petit livret, le livret du citoyen qui leur permettra d'avoir des points de repère sur cette nouvelle majorité. À l'approche des élections présidentielles et législatives, ces jeunes Oisérois, tout juste majeurs, se sentent déjà des citoyens impliqués dans la vie de leur pays. C'est une nouvelle étape et je vais pouvoir maintenant voter et pouvoir exprimer mes opinions et du coup rentrer dans la vraie vie active d'une citoyenne. On se sent différent. On vient d'avoir 18 ans, donc on est responsable de nous. Ensuite, le vote est à droit, donc allez voter. Ça donne une liberté d'expression. Pouvoir avoir un poids dans le pays dans lequel je vis. C'est une liberté de penser aussi. Si on ne part pas voter, on ne pourra pas dire c'est de la faute d'à tel ou à tel. C'est notre faute si on ne part pas voter.